Bienvenue, on se retrouve pour cette Super Coupe, un duel en haute altitude entre les deux plus belles équipes de la saison dernière. On les a accompagnées pendant toute cette année, elles sont allées au sommet. Elles se retrouvent après une longue période de préparation pour ce match à part. Il est question d'honneur autant que de lutte pour ce magnifique trophée. Alors que demander de mieux pour débuter enfin une nouvelle saison? Des tribunes bleues et grenat, un hymne qui retentit. La tentative, c'est dedans. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Il était tellement bien placé, forcément, ça va au fond. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds, il termine l'action comme il sait le faire, c'est génial. Les voilà donc devant, c'est un but qui vaut cher. José Gaya. Rodrigo. Sergio Roberto au duel. La passe en retrait vers son défenseur. Nelson Semedo. Oh, voici Philippe Coutinho. Il glisse le ballon en profondeur. Il a du champ sur le côté. Il file dans l'axe. Le bon jaillissement. Il y a danger. Le centre étendu. Philippe Coutinho en retrait. Oh, voici Malcolm. Énorme occasion. Oh, le but. Ils font le break dès ce début de match. Ça part fort. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. Il se retrouve au bon endroit, au bon moment. C'est vrai qu'il y a un petit peu de réussite, mais c'est parfaitement joué de sa part. Trois buts d'avance, de quoi respirer un peu plus tranquillement. José Gaya. C'est bien fait. Qui est bien placé. Il centre. Un peu d'oxygène pour sa défense. Ça passe à droite. Barcelone qui peut avancer. Allez. Coutinho. Malcolm. La passe dans la profondeur. Pour trouver la faille dans la défense. Malcolm, le centre. Et la défense qui s'offre un répit. Oh, l'interception! Vicini. Cette attaque n'a pas pu se développer. Il est bien placé. Il préfère repasser derrière. Oh, quel geste! Une belle échappée, dommage pour la conclusion. C'est intercepté, un peu d'air pour la défense. C'était une bonne intervention. Rodrigo. Il décide d'allonger le jeu. Piqué. Vidal. Nelson Semedo. Il joue dans l'espace. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Sergio Roberto. Philippe Coutinho. La relance, côté droit. C'est joué long, attention. Ça ne passe pas. La touche à suivre. Sergio Roberto qui cherche à construire. Ça passera sur le côté. Jordi Alba. Il tente de la jouer dans l'espace. L'arbitre désigne le poteau de corner. Ce sera le premier corner du match. Et la tête sur le poteau. Et voilà, but. Ils comptent désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Oh, l'opportuniste! Et quelle efficacité! Quel attaquant est très opportuniste, oui! Mais quelle mésentente de la défense! C'est le bazar! Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Diakabi. C'est joué long. Carlos Soler.
La passe dans la profondeur. Il déclenche son centre. C'est dégagé loin devant. De la tête. Oh, pas de chance sur ce coup. Je n'ai pas compté les centres, Darren, mais il y en aura eu un paquet aujourd'hui. Vous avez raison, et cette équipe joue souvent comme ça. Et quand on a un bon joueur de tête dans la surface, ou un coéquipier capable de la reprendre de volée, ça peut vite faire mal. Il peut frapper. Attention, la frappe. Le danger est écarté. Oh, voici Philippe Coutinho. Pour trouver la Coutinho. Quel manque de précision. Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. En général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Bonne passe. Oh, le bon ballon. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Il glisse le ballon en profondeur. C'est joué long. Attention. Coup de sifflet. Fin de la première mi-temps. 3-0 à la pause. On vous laisse revoir tranquillement les ralentis, consulter les statistiques. Nous, on va en profiter pour reprendre notre souffle. Eh bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commente. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Le score, 3-0 pour le moment. Et le jeu a repris ici, d'ailleurs. Malcolm, qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Sergi Roberto. Jordi Alba. Oh, voici Malcolm. Il va provoquer. La passe est... Oh, la frappe! Et il trompe le gardien! Ça commence à faire lourd et je ne suis pas sûr que ça va s'arrêter là. Tout est magnifique dans ce but. Et il en est désormais à 4 buts dans la compétition. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Sergi Roberto. Vidal. En retrait pour repartir proprement. Piqué. Cette possession un peu stérile. Il joue dans l'espace. Bizevac. Geoffrey Kondogbia. Gonçalo Guedes. Geoffrey Kondogbia qui a un peu d'espace. Sur l'aile gauche et il a du soutien. Oh, voici Geoffrey Kondogbia. Diakabi. C'était difficile comme geste. Ça joue à gauche. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Sergi Roberto. Et ils essaient de repartir de derrière. Coutinho. Il revient dans l'axe. Et ce ballon sur l'aile. Nelson Semedo reçoit le ballon. Bien joué ça. Malcolm. Oh, quelle frappe. Un moment de pure inspiration. Yes, go. Et encore un but. Ça tourne à la démonstration. On ne s'attendait pas à un tel écart. C'est incroyable. 2 buts déjà dans ce match. Et désormais, ils ont l'air intouchables. La passe dans la profondeur. La faute.
Danger repoussé pour le moment. L'ouverture lumineuse. Il cherche son coéquipier. Quel timing dans l'interception. Oh, ça n'a pas pu aller plus loin. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Un coup de sifflet, ce sera une faute. Avec Malcolm. Pour trouver la faille dans la défense. Un centre dans l'axe pour personne. Quelle fait du bien cette interception. C'est joué long, attention. Il la remet. Bonne intervention du défenseur, ce sera un corner. C'est dégagé. Parejo. Oh, le petit ballon piqué. Le bon dégagement. Piccini y adresse un centre rasant. Il ne se pose pas de questions. Ça passe. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Bizevac. Long ballon dans le sens du jeu. C'est bien fait, ça. Ça joue long vers l'avant. Voilà une bonne occasion de contre. Il y a peut-être un coup à jouer. Faut frapper, là. C'était bien frappé, ça. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus, alors il valait mieux le sortir maintenant, plutôt que le voir courir jusqu'à épuisement. Ils sont à quelques instants de la consécration. Il joue dans l'espace. Allez, ça peut faire mal. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. Oh, voici Felipe Coutinho. Le ballon piqué sur le côté. Il glisse le ballon en profondeur. Sergi Roberto. Nelson Semedo. C'est bien donné. Oh, c'était dangereux. Quel geste. La bonne intervention. Nelson Semedo. Sergi Roberto. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Une victoire en Supercoupe, c'est évidemment la meilleure manière de préparer la nouvelle saison. Bravo, messieurs. Quel plaisir de voir autant de bonheur sur leur visage. Ils ont remporté le premier trophée de la saison. Et s'ils continuent comme ça, bien d'autres vont suivre.
Barcelone. Et dans les starting blocks pour le lancement de cette nouvelle saison, bienvenue pour cette première journée. Il y a eu bien sûr quelques changements pendant l'intersaison, comme toujours, vous me direz, mais tout le monde est prêt pour la reprise du championnat. Ça nous avait manqué, comme à vous, j'imagine. L'échauffement est terminé, on est dans notre tribune de presse, tranquille, et les joueurs arrivent dans le tunnel. On va pouvoir démarrer et j'espère se régaler. Et le Camp Nou qui brille aux couleurs des Blaugrana, quel bonheur. Messi, un autre tir. Oh oui, c'est dedans. Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs. Timing, exécution, précision, tout était parfait dans cette reprise de volée. Oh là là, c'est vrai, c'est pas mal du tout comme geste. On aimerait en voir plus souvent même. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Messi qui a un peu d'espace. Barcelone qui a eu des mots très élogieux sur son manager, vous l'avez sans doute vu. Bah, c'est un petit peu normal, il les a menés au doublé quand même. Mais c'est sympa de voir son travail reconnu à sa juste valeur. Oh, Luis Suarez, il est servi. Oh, la frappe! C'était une grosse occasion quand même. Je me demande encore comment le gardien l'a arrêté. Santimina. Il n'arrive pas à se rapprocher. Pour trouver la faille dans la défense. Ça revient dans l'axe. Il y a peut-être un coup à jouer. La tentative! Non, ça n'ira pas au fond. Super débordement, même si le marquage était un peu à la rue. Il joue avec le feu en ce moment en laissant autant d'espace sur les ailes. Luis Suarez qui choisit le côté gauche. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Barcelone est vraiment bien rentré dans cette rencontre. Ça fait donc 1-0. Toni Lato. C'était un joli tac quand même. Voilà, un coup franc intéressant. Le voilà averti, il n'y a pas grand chose à redire. Va-t-il en profiter ? Diakabi qui récupère ce ballon. Je n'ai pas compté les centres d'Arène, mais il y en aura eu un paquet aujourd'hui. Vous avez raison, et cette équipe joue souvent comme ça. Mais quand on a un bon joueur de tête dans la surface, ou un coéquipier capable de la reprendre de volée, ça peut vite faire mal. Toni Lato. C'était une bonne intervention. José Gaya. La passe dans la profondeur. Il voit sa passe interceptée. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Luis Suarez. Ça passera sur le côté. Il tente de la jouer dans l'espace. C'est bien donné. Il y a danger. Centre à rater. Faut tirer là. Oh, l'intervention magnifique. Oh, le gardien est là. La classe. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. Ce sera le premier corner du match. Allez, de la tête. Et c'est au fond. Le break est fait, deux buts d'écart désormais. Très bon corner, et évidemment il en a profité. Voilà, ça c'est une tête, un peu de sang-froid, une bonne dose de conviction, et ça vous donne un but. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir.
C'est parfait, magnifique. Piccini s'est joué long, attention. Ça sent la frappe. Le centre est tendu. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Oh, Luis Suarez. Carles Alenia qui cherche une solution. Le long dégagement du gardien. Rodrigo. Ça va atterrir dans l'axe. Messi. Oh, Luis Suarez. Il joue dans l'espace. Jordi Alba. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Messi. Oh, très bon ballon. Le bon dégagement. Messi. Il rejoue derrière lui. La passe dans la profondeur. Oh, le bon ballon. Geoffrey Kondogbia. Qui a de l'espace. Diakabi. Bisevac. Geoffrey Kondogbia. Coup de sifflet, fin de la première mi-temps. Eh bien écoutez, il faut être honnête, on ne se régale pas forcément à chaque match contre Nantes. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. 2 à 0, c'est une avance déjà confortable. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué, le match vient tout juste de reprendre. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Ils glissent le ballon en profondeur. Ils s'en sortent. Le ballon dans la profondeur. Un centre au cordeau. Faut frapper là. Encore un but. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Oh le pauvre, c'est difficile d'en vouloir au gardien là. Il était masqué et ne voit le ballon qu'au dernier moment. Et le doublé. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Tony Lato qui a de la liberté. Il tente de la jouer dans l'espace. Il va au duel. C'est une occasion. Encore un centre. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Pour trouver la faille dans la défense. Il est bien placé. La frappe. Oh, c'est au fond. Oh, le résultat est déjà assuré, mais il continue. Il continue. Oh, il était bien placé ce ballon, tout simplement imparable. Sur ce genre de frappe, il n'y a qu'une chose à faire, applaudir. Bravo. Ce match est en train de devenir une véritable correction. Palero qui a un peu d'espace. Geoffrey Kondogbia. C'est joué long. Carlos Soler. Qui est bien placé. Le bon dribble. C'est dégagé. Le ballon a franchi la ligne. Avec Piccini. Ce ballon bien dosé. Carlos Soler. Bien servi sur le côté. Messi. C'était plus du marquage, c'est du harcèlement. Bon, il leur a déjà montré de quoi il était capable. Alors là, il se méfie. Rakitic. Carles Alenia. Barcelone fait très forte impression et ce n'est que la première sortie de la saison.
Oh, l'inspiration! Carlos Soler. Ils n'ont pas encore fait un seul changement, c'est important. Un long ballon vers l'avant, ça joue à gauche. Il remporte son duel. Il est passé, il tente de la jouer dans l'espace. Le ballon sort du terrain. Bonne intervention. Sergio Busquets. Il est servi. Allez, ça doit faire but. La passe en retrait vers son défenseur. Rakitic. Long ballon dans le sens du jeu. Oh, Luis Suarez. Luis Suarez. Tant qu'on le garde dos au but, il est inoffensif. C'était bien défendu, ça. Carles Alenia. C'est joué long, attention. La frappe. Ça fait but. C'est une véritable boucherie à laquelle on assiste. Bon, honnêtement, je commence à avoir mal pour eux. Ouch! Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes et encore, je suis gentil. José Gaya, ça joue long vers l'avant. Parejo. Le jeu repart vers la droite. Il décide d'allonger le jeu. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. La passe est précise. Parejo. Geoffrey Kondogbia. Carlos Soler. Il glisse le ballon en profondeur. C'est bien fait, ça. Rodrigo. Quel sauvetage! On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Tout lui a réussi aujourd'hui, un match presque parfait. Il a bien mérité d'aller se reposer sur le banc. C'est une décision logique, on n'est qu'à la première journée. Oh, le coup de tête! Ça rentre! Un centre parfait, il n'avait plus qu'à réussir son coup de tête. C'est bien joué, ça. Super timing, on le sent à l'aise sur ces ballons aériens. On va voir maintenant si cette réduction du score sera... C'est terminé, l'arbitre siffle la fin du match. Oh, ils partent fort dans cette saison, ça confirme leur bonne prestation lors des matchs de préparation. Ils peuvent aller très loin, vraiment. Alors dites-moi, dites-nous, qu'avez-vous pensé de ce match? C'est très bien, ils ne pouvaient pas mieux commencer leur campagne. Vraiment, ce sont 3 points précieux pour le reste de la compétition. Beau match, belle soirée, belle ambiance, un beau stade. Tout était là, Darren, pour qu'on se régale vraiment pendant cette rencontre. On se retrouve très vite. À bientôt.